What's up les gars, c'est votre Blacky, on se retrouve pour une Blacky News. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Dans cette vidéo, on va parler de l'artiste Tory Lanez et let's go pour la story. Vendredi 10 mars, Tory Lanez a publié son nouvel album The New Toronto 3, mais c'est pas de ça spécialement qu'on va parler. Comme vous le savez, il a été bloqué par Instagram à cause de ses lives Quarantine Radio, à cause des femmes qui twerkaient en petite tenue dans ses lives. Et quand je vous dis petite tenue, des fois, c'est limite, tu voyais quoi. L'un des directeurs d'Instagram avait même pris la parole à ce sujet. Cette personne s'appelle Adam Mosseri. Donc, il a bien confirmé que c'était à cause des twerk. Bon, il a pas dit twerk précisément, mais il a dit oui, Instagram interdit la nudité. Il a même dit qu'il aimait bien l'émission de Tory Lanez, Quarantine Radio. Tu vois, il a aucun souci avec Tory Lanez, mais il ne tolère pas la nudité sur leur application. Le compte de Tory Lanez devait être suspendu jusqu'au 14 avril. Malgré ça, Tory Lanez, il a pas lâché l'affaire. Il est parti sur une autre application que vous connaissez tous et qui fait fureur en ce moment, TikTok. Et il a lancé son premier live sur cette application et il a battu un record. Non, franchement, il est archi chaud. Il était avec un DJ set. Son live a réuni plus de 77 000 spectateurs et c'est un gamin parce qu'il s'en est réjoui sur Instagram en se moquant de l'attitude du réseau qu'il a boycotté. Et c'est un bon Tory Lanez parce qu'il a dit qu'il a réussi à faire ce record sans montrer de cul ni de twerk, en jouant de la musique et en étant moi-même. C'est ce qu'il a dit. TikTok l'a même félicité sur Twitter. Et bien évidemment, Tory Lanez a partagé ça sur son compte Instagram pour un peu se foutre de la gueule d'Insta. Et à ce qu'il paraît, bon ça je suis pas sûr de ce que je vais vous dire. Donc si vous pouvez me confirmer dans les commentaires, faites-le. Mais à ce qu'il paraît, Tory Lanez se serait arrangé avec le directeur d'Instagram pour lui permettre de continuer à faire ses lives Quarantine Radio. À ce qu'il paraît, le directeur d'Instagram a écouté l'album de Tory Lanez et il a dit que ouais, l'album il était tellement chaud que c'est pour ça qu'il a enlevé le blocage sur son compte. Là, c'est ce que Tory Lanez dit. À mon avis, ça c'est pour faire la promotion de son album. Mais à mon avis, s'il a plus le blocage sur Instagram, je pense qu'il a dû payer ou à mon avis, il a dû négocier en mode ouais, il va se calmer sur ses lives, il y aura plus de nudité. Je pense que c'est ça qu'il a dû faire. Est-ce que vous avez vu un live de Tory Lanez sur Instagram récemment? Parce que moi, j'ai pas eu le temps de checker. En tout cas, s'il a fait un live dernièrement sur Instagram, c'est que il n'a plus le blocage et que cette news que je viens de vous dire est vraie. The CEO of Instagram said, listen, there's nothing that can be done. Policy is policy. We banning the page for 7 days. Quarantine Radio, we back. Voilà les gars, c'était une vidéo spéciale Tory Lanez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez écouté son projet qui est sorti vendredi 10. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos news les gars. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. All my dick, she like a Lego, never Lego. Yeah. My stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Till I need my dinner, yeah. Open the hole. Hit my metro, if it's about the peso, yeah. Like it's go Diego. Make it right, don't schedule. Got a pistol on me with the dickest. Then the bitches in the back, just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.